Bonjour à tous, vous savez tout dans le nom de Jésus. Amen. Je suis très heureux de vous, pas comme d'habitude, mais je vous remercie de bon Dieu ensemble. Je suis Jésus, je prends sa première partie, je suis seulement pour ta grâce. Moi, je pense que vous voulez être extrêmement mauvais, mais nous là ce matin. Amen. Je suis Amen. Je vous prends sa partie pour moi. Thank you.
infiniment. Amen. Yeah, keep on it,
mais nous accepter, il t'a fait tout en ce qui est en vous. Il souffle en main, mais il fait ce qui est bon pour vous. Amen. C'est ce que je chante cette antiquité. Que la grâce passe de l'événement. Que peux-tu côté? Ouvrez les verres à grâce dans l'as. Parce qu'il le sera côté, le sera plaire à Dieu pour moi. Mais c'est pas que c'est la grâce que tu peux gérer. Bien, papa. Amen. C'est ce que je veux dire. Je vous remercie de la grâce. C'est ce que nous adorons ce matin. Oh,
Voilà, frères et sœurs, eh bien, bonjour à tous. Et il me semble qu'il a pris une zone tour aujourd'hui. Enfin, merci à tous ceux qui sont présents, malgré... Tiens, ça, là pour moi, s'il te plaît. Merci à tous ceux qui sont présents, malgré les mauvais temps des hauts. Et ce matin, comme vous le connaissez, nous dans une réunion de prière. Hein, nous venons pour prier. Mais avant qu'ils nous prient, nous guettons un petit peu... des trois issues par rapport à la prière. Laisse-nous dire, mon Dieu, merci. C'est uniquement notre la grâce, comment nous fait chanter. Qui nous l'a ce matin pour prier, Seigneur, et pour comprendre certaines avenues dans la prière, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, moi, t'en merci. Dans le nom de Jésus-Christ, celui qui exauce la prière, de celui d'abord qui écoute la prière et qui exauce la prière. Beaucoup de toi ainsi, et me connais ce matin, justement, nous la prière, les poumons vers toi, Seigneur. Toute la gloire, y revenir à toi, lorsqu'il nous trouve un résultat de nous la prière, Seigneur. Amen. Nous lis avec moi Jérémie 15, versets 1 et 2. Regarde ça. Alors, nous vous prenons peut-être une demi-heure. Alors, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Bon, il y a ça bout de là, pour qu'on ne comprenne. Ça bout de là suffit pour nous comprendre tout ce qui va passer. Bon. Et ce n'est pas la première fois qu'il bon Dieu cause comme ça. Si nous lisons Ézéchiel 14, il y avait un autre exemple un peu similaire à ça, il vous dit comme ça. Si Noé, Daniel et Job, présents parmi ce peuple, ce n'est pas que ça m'a fait de faveur. Ce n'est pas que ça m'a fait de faveur. Pareil, on dit ici, si même Moïse et Samuel présents très devant moi, intercède pour autres, bon, pas pour favorable à ce peuple. Bon. La question, pourquoi? La question, c'est Moïse, c'est OK, Samuel, c'est OK, mais le peuple qui a un problème. Et le problème, c'est avec le péché. Alors, aujourd'hui, moi, j'arrive à réaliser qu'il fait, il y a beaucoup de croyants, pas trop, vous êtes la prière, je sais, malgré, entre guillemets, des hommes qui disent de foi, priez pour autres. Ah oui? Moi, je dis à store, non, mais je dis à quelqu'un qui dit deux fois, peut-être qu'à prier pour vous, et ça ne marchera pas parce que et la vie de prière, enfin, la prière et la vie qui nous a menés, il y a le deux pays à ça, il y a l'ensemble. Il est très important de comprendre ça. Et un lifestyle qui nous vient, hein, pour qu'il a prié à l'immense. Là, bon Dieu, je désapprouve, même quand Moïse, même quand Samuel. Dans Ézéchiel, il y a même quand Job, même quand, comment dire encore, Job, Daniel quand même, vous ne pas favorable à ce peuple.
Donc, trouver ça issu de péché, si ça continue parmi le peuple, il y a un big issue par rapport à la prière là. La prière vient de la religion là, carrément la religion. Bon. Moi, nous avons ça dans le passé, et moi, je vais régaler ce matin, pas tout chrétien qui a le droit de prier. Drôle, ce qu'il me dit, paraît bizarre, paraît controverse, qui tout chrétien n'a pas le droit de prier. Parce que qu'est-ce que je veux dire? Si tu peux venir prier, et là, tu te rappelles, tu as une histoire qui t'aide. Pas prier. Al raccommodoli. On met ça dans mon langage. Al raccommodoli avant. Et là, tu viens prier. Ou quand on a une réunion de prière qui est dans 10 000, 12 000 personnes, mais ce qui peut passer, pas vraiment. Parce que tout le monde qui a une histoire avec un autre monde, maintenant, qui peut avoir une histoire avec un autre monde? La majorité est comme ça. Si on a une histoire avec un autre monde et qui n'est pas réglée, sans encore dans les caisses à l'autre monde là, vous avez le droit de prier. Vous avez le droit de prier. Ça, c'est le Christ qui dit ça. Donc, nous trouvons qui. Le péché, c'est un grave problème. Moi, il y a un autre verset qui est bien important. Je ne vais pas trop le lire, mais à cause des temps. Il dit, quand on cause l'engage des hommes et des anges, 1 Corinthiens 13, si mon cas cause l'engage des hommes et des anges, paraît terrible, hein, mon cas parle en langue. Et si mon pays dans l'amour, mais c'est comme un cymbale. Cymbale chinois, là. Des grosses tchai, tchai, cymbale qui sonnait. Bon, beaucoup de chrétiens n'ont pas réalisé ça. Beaucoup de chrétiens n'ont pas réalisé ça. Ouais, frère, on passe 5 heures à prier. Ouais, so what? C'est religieux. Il dit bien, tu ne parles pas en langage des hommes et des anges, mais si tu peines dans l'amour, tu as comme un cymbale qui peut faire ta base. Il sème ta base. Mais cette histoire-là, il n'est pas commun parmi les croyants. Il n'est pas conscious, comment le dire. Le croyant n'est pas conscious de ça. Alors, moi, là, simplement, vous remind, vous rappelle, nous, qui vraiment bien pour autant, cette histoire-là. Il y a, par exemple, la Bible nous ça, approche-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pas tout le monde qui approche avec assurance. Non, pas tout le monde. Qui fait hein? Le péché, mon histoire, approche avec assurance. Du moment où tu approches le trône de la grâce, tu connais une bêtise, tu peux faire, mais ça, mon histoire, approche avec assurance. Tu n'as pas dans l'assurance. Vous voyez, la prière et la vie, style de vie, il y a le 2PR, ça. Il y a le 2PR. Vous prenez un exemple. S'il lui demande quelque chose selon sa volonté, et puis qu'aux enfants de Dieu seulement, là, hein, lui demande quelque chose selon sa volonté, nous connaît et écoute-nous. Maintenant, vous demandez quelque chose selon sa volonté, l'important qui me lave ici, c'est selon sa volonté. Donc, bref, vous trouvez qui? Zodi, il va aller à 10 jours, si on rendait n'importe qui l'église dans ce monde-là, hein, dans ce monde-là, je veux dire, vous avez une question, combien qui vient de la prière pas bosser? Une quantité, la majorité. Mais vous avez une question, pourquoi? Mais plus simple, c'est la vie. Il dit bien, si Moïse, Samuel, présente devant moi, en faveur de sa peuple, là, vous pas favorable à eux. Non, moi, je ne dis tout favorable à eux. Donc, vous trouvez qui? Si bon Dieu cause comme ça, il dit carrément, le péché, c'est une histoire qui dérange le Seigneur. Merci Jésus. Et, ok. Et là, beaucoup de croyants ont dit, ils connaissent le verset qui confessait un enfant de Dieu. Right? Bon, ils confessaient. Ils disent, voilà, la Bible dit, mon enfant de Dieu, mon enfant de Dieu. Mais est-ce qu'il est mort comme ça? Non, il n'est pas mort comme ça. Maintenant, est-ce qu'il est dans la réalité ton enfant de Dieu? Ça veut dire ceux qui mortent selon l'esprit, il est enfant de Dieu. Donc, si tu as un verset parce qu'il m'a connu, crois dans un verset parce qu'il écrirait dans la Bible, il n'est pas morcé. Mais c'est vraiment un enfant de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait un verset comme ça. Il ne faut pas qu'il confesse un verset comme ça. Bon. Il ne faut pas qu'il vive selon. D'ailleurs, l'épître de Paul aux Romains, moi, ça en passe. La lecture, vous en passez grand commentaire. Vous n'êtes pas capable de vivre selon la chair. Mais vous allez vivre selon l'esprit. Si vous vivez selon la chair, carrément, vraiment, vous n'êtes pas capable de trouver moi en accord, au diapason avec Dieu. Carrément. Vous n'êtes pas capable au diapason avec Dieu. Bon.
Un jour, un quelqu'un pose une chrétienne question. Il dit, tu qui fait tout fatigue, bon Dieu, comme ça? Qui fait tout, tous les temps, prier? Mais qui fait tout fatigue, bon Dieu, comme ça? Et qui t'a gagné là-dedans? Qui t'a gagné là-dedans, fatigue, bon Dieu, comme ça, tout le temps, prier? Là, l'église, whatever. Quelqu'un a répondu une réponse très, très simple. Il dit, il dit comme ça, tu connais? Quand vous priez, vous n'avez pas gagné rien. Plutôt, vous perdez mes affaires. Il a dit, ah bon, qui t'a perdu comme ça? Il a premièrement, vous perdez mon ego, vous perdez mon arrogance, vous perdez mon folie grandeur, vous perdez mon manière solennelle. Et quelqu'un a fait la liste de tout ce qu'il a perdu. Et l'autre quelqu'un qui pose la question, il dit, ils aiment le malin ça. Tout le temps, tu pensais quand tu priais, bon Dieu, tu gagnes quelque chose. J'aime penser que quand tu pries, tu perds certaines affaires. Oui, il perd son ego, ce côté ego, il perd ce l'arrogance. Maintenant, au cours de mon corps, il y a chrétien, on entend beaucoup qui ont affirmé, bon, moi, je prie 10e temps, moi, je prie 20e temps, moi, je prie 12e temps, moi, je prie tant et tant. Vous ne pas mettre en lutte. Vous ne pas mettre en lutte, ce que vous avez dit. Mais oui, vrai. Mais c'est moi comme on dit style de vie. Des fois, ce sont des pasteurs, vous êtes arrogants, arrogants. Vous êtes orgueilleux, vous êtes orgueilleux. Vous êtes dans une haute opinion de vous-même. Vous pensez plus super et tous les croyants sont inférieurs. Est-ce vrai de prier où tu es temps là? Non, tu me dis blabla. Ce n'est pas vrai. Parce que si toi tu priais vraiment 8 ans, ou 15 ans, ou 2 ans, comment tu peux dire là? T'as-tu perdu cette affaire de l'arrogance? De haute opinion de toi-même? Ouais? De folie grandir? La liste est longue. Donc, quand on va aller, on montre tout ça. Vilain maillère qui les hommes, il y a là. T'as-tu perdu ça? Si tu vraiment tu priais. Donc, la preuve qui m'a qu'à dire, te prier, que tu le fais, maybe oui, vraiment 8 ans là, tu n'as genou, whatever. Les is religieux. Si dans toute la vie, puis dans sa transformation visuelle, qui te humble, qui te doux, qui te pas, le contraire de ce qui m'a fait énumérer dans là. Si puis dans ça, mais tu la prière, les is religieux. Donc, trouver la vie, style de vie, lui montrer, ou juste qu'est un homme vive, ou juste côtoie Yann Kiken, ou juste écoute-lui causer. Ou vous connaissez que cet homme, sa relation avec Dieu est différente que les autres. Pas besoin de blabla, lui. Non, mais vous connaissez. Est-ce que vous comprenez, moi, là? Merci, Seigneur. Très important de comprendre ça. Maintenant, là, mon pour éclairer les affaires qui. C'est moi qui comprends ça. Ou bien, si vous dites, c'est moi qui ai cette révélation. Vous pouvez partager ça avec vous. Je connais moi l'église pendant longtemps. Moi, j'ai tout le temps trouvé, on dit la Bible pendant longtemps. Je connais que Jésus-Christ a prié pendant 40 jours au début de ce ministère. Il commence par prier 40 jours. Mais jamais moi ne pose la question, mais qui fait les prier? Jamais moi ne pose la question là. Sinon, que récemment là, moi ne pose cette question là et moi la réponse. Il y a moi, il priait et le diable est venu pour tenter. Quoi qu'il a mis les finettes. Attiré par le Saint-Esprit. Ça, c'est le débat. Hein. S'il est attiré, il revient par le Saint-Esprit. Ça, c'est le débat. Nous avons ça pour plus tard. Mais pour moi, ma question, c'est qui fait aller prier pendant 40 jours. Et au final, nous connaissons la tentation. Le diable tente avec 3-4 issues. Et il vainque ça. Il vainque le diable dans ce bain d'issues. Ça, c'est un peu bref qui marche 4 d'un. Bon, pourquoi aller prier? Maintenant, laisse-moi expliquer. Vous connaissez Jésus-Christ, il est 100% homme et 100% Dieu. Une équation qui, pour l'intelligence humaine, pas pour capable ni expliquer et ni comprendre. Comment Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu? C'est une équation un peu difficile à expliquer et difficile à vraiment comprendre. On nous dit qu'on comprend à 100%. Vous comprenez? Mais pas vraiment à 100%. Laissez-moi expliquer ça. D'après Hébreux chapitre 2, on va pas vous lire.
quoi que c'est nous dit, très joli. Hébreux chapitre 2, il y a une affaire qui est bien intéressante. Puisque les enfants, ils participent à la chair et le sang, le Christ, il participait. Il a été tenté en toutes choses, par exemple, c'est un frère. Est-ce que Jésus-Christ est tenté pour aucun? Grande question. Grande question. Si vous écoutez Hébreux chapitre 2, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire oui. Tenté en toutes choses, semblable à ses frères, là. Pareil comme moi, écoute, humain, il prend sa nature humaine, là, carrément pareil comme à nous. Avec toute tentation qui est là. D'après Hébreux chapitre 2. Maintenant, voilà la raison. Quand Jésus-Christ vient prier 40 jours au départ de ce ministère, il peut justement perdre sa belle affaire là. Perdre son ego, ici là, ego, oui, ici là. Il est humain, 100% humain. Et vous faites dire là, c'est une équation difficile pour expliquer et faire comprendre ça. Peut-être un jour, nous débattons ça un peu plus large. Mais, justement, ce moment de prière là, c'est pour perdre ça, ego, l'arrogance, l'opinion, et tout ce qui nous connaît va avec. La liste est longue, donc à la fin de la liste. Il vient là pour perdre ça. Lui. Comment on peut dire ça? Maintenant, il y a ça. Fait une petite analyse, on s'en va nous faire une petite analyse avec sa même tentation qui gagne là. Il y en a beaucoup qui comprennent comment il vient prier, just for the cause, qui pour perdre sa même histoire qui vient perdre dans la nature humaine. Il vient là pour perdre ça. Lui. Et pendant 40 jours, il priait pour perdre ça vraiment. Bon, on va expliquer. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le diable vient de prier premièrement. Faire du pain, vin rose et te manger. Faire du pain, vin rose et te manger parce que tu as faim. Tu as besoin de faim. Quoi qu'il parle, pas vraiment faim là. Est-ce que nous comprenons ça? C'est-à-dire. Tu ne pries, tu ne pries pendant 40 jours, tu as une good anointing l'autre. Puis la personne plie onctionnée qui est Jésus-Christ. Puis la personne qui plie et dans l'onction qui est Jésus-Christ. Ni à ce moment-là, ni plus tard dans la vie, personne ne va pas finir la vie et pas pour y aller si jamais. Donc voilà ce que le diable a envie de dire, entre guillemets, sous-entendu, entre les lignes qui me le disent à moi. Prends-toi l'onction et plainte vente. Servir de l'onction, faire un miracle, faire recevoir du pain et plainte vente. Mais qui Jésus-Christ répond par rapport, quand il dit que l'homme ne vivra de pas de pain, etc., etc. Les bureaux disent que non. Mais l'onction que m'ont gagné là, ne m'a pas servi ça pour plein mouvante. Ne m'a pas servi ça pour plein mouvante. Ne m'a servi ça pour servir du monde. Dans la guérison, la délivrance, comme la Bible dit, allant de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, mon anointing, vous servez ça pour les autres et non pas pour plein mouvement. Mon envie de toi, Satan, mon continue la liste, ça égo là, ça égo là, mon père dit. Et le diable envie récolte ça égo là avec lui. Suivez-moi dans un pattern là. Le diable envie récolte ça égo là avec lui. Non. Mon père dit ça dans la prière. Voilà, mon père dit ça dans la prière. Là. Mon père dit ça. Vous voyez, la prière, c'est un dimon, il a une bonne vie de prière. Il a beaucoup d'affaires, il vous a dit. Le diable a vu ça égolé. Ils ont dit, comment quelqu'un peut servir de anointing pour place de vente? Moi, si je veux prêcher contre toi, tu as besoin de moi tant l'offrande. Tu as besoin de moi un métier de 5 étoiles pour rester. Non, je servis d'anointing pour plein de ventes. Et cette publicité, c'est quoi? Mon ministère, c'est Sign and Wonders, miracle et guérison. Tu invites moi que toi, mon étranger, mon respect à l'Allemagne, whatever. Tu invites moi, Maurice, mais bon, loge-moi dans l'hôtel 5 étoiles. Et donne-moi une belle offrande quand moi aller. Moi, je servis d'anointing pour plein de ventes. Ça différent, ça, là? Ça différent, ça, là? Non, mais le Christ, il dit ça, lui. Le David propose ça, mais tiens, non, mon père dit. Mon père dit ça dans la prière, là. Mon frère, monsieur, la vie de prière, c'est au contraire des habillus. Des habillus du vieil homme. Pourquoi Colossiens dit ça? Pour habillus de l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau.
C'est tout un déshabillement qui arrivait quand on est là de prier. Bon, il y a beaucoup qui blabla, moi m'en fait dire. Quand je dis, ils n'ont pas encore déshabillé. C'est un coup, non, ce qu'ils nous appellent le vieil homme. Merci Jésus. Deuxième tentation, il pousse à doute la parole de Dieu. Et tu connais que ça. Somme 91, il écrit pour toi. Allez, donc, l'écho, vous êtes l'écho en bas, nous, c'est pas vraiment dans un côté, toi. Maïa, le Christ répondit, tu n'as pas pour te rendre bon Dieu, ça nous comprend. Mais moi, m'en vais lire entre les lignes. M'en vais lire ce qu'il n'a pas à dire. M'en vais lire ce qui est bizarre qu'on ne comprend quand même pas à dire. Tu connais, doute la parole de Dieu. Si tu as testé la parole de Dieu, tu peux vraiment me douter là. Doute la parole de Dieu. Vous faites perdre ça dans 40 jours de prière. Vous faites perdre ça là. Le diable a envie de récolter ça. Est-ce que Jésus-Christ a le droit de faillir? Il a le droit de douter la parole de Dieu? Si! Il a le droit, mais il va le faire dire. D'après Hébreux chapitre 2, semblable à ses frères. Semblable à ses frères. Il a douté, il a failli, mais il va le faire dire. Comment il arrive ça? Il perd ça dans la prière. Il perd ça dans la prière. Donc il y a le diable, non. Non, garçon, vous faites perdre ça dans la prière, là. Doute la parole de Dieu. Vous faites perdre ça, là. Il est important de nous comprendre ça. Il est important de nous comprendre ça. Troisième affaire qu'il dit, tu connais? Il y a le guet ça. Vous pouvez la vie d'un roi d'un pays qui s'appelle Brunei. Oh mon Dieu. La richesse de sa roi là. La vie amenée. Elle est à nous raconter ça. Brunei, le roi Brunei. On lui a payé Boubla. Il dit, tu connais, mais dans la gloire du monde. Vous connaissez qui m'a proposé là? Vous connaissez qui m'a proposé le Seigneur là? La gloire du monde, l'amour du monde. L'amour du monde. Vous connaissez qui dit là? Vous connaissez qui dit là? Gloire à Dieu. Vous faites perdre ça là. Content le monde là, vous faites perdre ça dans la prière. La Bible dit si tu es ressuscité, affectionne-toi aux choses d'en haut. Non, paix dans le monde, dans le Christ. Il n'est pas content le monde. Vous pouvez lire ce qui peine écrire. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez lire ce qui peine dire, ce qui trouve entre les lignes, ce qui me comprend, ce qui me comprend, vous pouvez raconter ça là. L'amour du monde, il peut dire ça là. Mais si on dit non, vous trouvez un petit monde, il blabla, il prie, il a la vie de prière, il mentit. Quand vous êtes sur l'engouement pour le monde, il est pour dépouillou, pour. Il est pour dépouillou, pour lui, il a une plus belle loto, une plus belle la case, pour lui épanouir dans ce monde-là. Mais la vie de prière, que ça parle parallèle, dis-toi. Il n'est pas une équation. Il n'est pas du tout une équation. Si vous avez la vie de prière, vous désintéressez avec le monde. Carrément, vous désintéressez avec le monde. Désintéressez avec le monde. Le temps pour dire que vous êtes au moins. Maintenant, c'est sur la vie d'adoration. Non, il vous dit non. Tu as le bon côté du ciel. Donc, l'adoration à n'importe qui quelque chose, il perd ça dans la prière. Là. Il fait perdre ça dans la prière. Et le diable récolte ça avec lui. Récolte ça avec lui. La vie de prière, frères et sœurs, c'est au perdre même des histoires. Au perdre l'arrogance, au perdre l'orgueil. Ou perdit jalousie. Ou perdit compétition, hein? Compétition. Ah, c'est humain, ça. Ou perdit ça. Beaucoup de croyants trouvent ça dire pour vivre comme la Bible demande. Mais il n'est pas vrai même dire. Si dire, bon Dieu, il demande moi faire ça. Et bon Dieu connaît moi humain, il connaît ma faiblesse, mais il n'est pas demande moi faire ça. Mais il demande moi faire ça. So what? Qui fait? Parce qu'il est possible, ça. Il est possible de vivre la vie comme la parole de Dieu déclarée. Et qui pour fuel ça? Qui pour donne l'essence à ça? Qui pour donne fuel à ça? C'est mon avis de prière. C'est mon intimité avec Dieu. C'est mon intimité avec Dieu. Merci Jésus. Il est très important de comprendre ça.
Maintenant, mon frère, mon sœur, le Christ peut retourner. Hein? Nous l'est, nous parler. C'est une prophétie qui ou prier ou pas prier, ou sarcer ou pas sarcer. Ça peut arriver. Le Christ peut retourner. Il peut retourner. Quand on ne pas connaît. Mais guide bien. Les pourrons ben du monde qui vraiment peut vivre correctement. Je dis simplement correctement. Mais ben du monde qui peut vivre en bas là-haut. Nous, mon chien, nous connaissons qui veut vivre en bas là-haut. Et une double face. Faire ça, 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 ça. Et puis, tu as une église, tu prends la Sainte-Seine, tu chantes. Non. Ce type de vie-là, non. Ce n'est pas ça que le Christ peut venir donner. Si vous réalisez où, un les rois, avant d'y prendre une madame, une épouse, parce que dans le cas de Esther, la fille, là, Esther, il gagne l'entraînement pendant 2 ans. Comme un mettre rouge à lèvres, comme un morceau en talon, comme un morceau en foussette, avec qui cadence morcer devant les rois. 2 ans de training, hein. 2 ans l'université. Pour le roi fallait une seule épouse. Pas croire, on pouvait une épouse du roi, des rois, juste comme ça. Non, c'est pas possible. Donc, sortir dans la pays normale, illusion, il y a de la vie. Il y a de la vie qui vous aide. Que tout ce qu'il appelle charnel, regarde ça. Merci Jésus. L'apôtre Paul me pose une question. Hein. Comment tu peux poser une question récemment, là, je ne connais pas comment on dit ça. Et pourquoi il y a un grandissement parmi les croyants? Ou sur un chrétien qui convertit pendant 30 ans, 40 ans, étant que ce niveau que tu étais, spirituellement parlant, hein, ce knowledge de la parole de Dieu bien pauvre, il n'est pas grandi. Il reste un nain, comment nous dire, Oui, il y a l'église 40 ans, frère. Oh, bon, 40 ans dans l'église. Mais tu as ce mot, tu es un nain. Tu n'as pas grandi. Pourquoi? Après, Paul donne la réponse. Il n'y a pas ce qui te sort d'elle. Tu n'es pas capable de manger la nourriture solide. Devine nourrit poisson à la maison. Petit poisson colorant, coloré là, dans l'aquarium. C'est moi qui donne de manger presque souvent, parce qu'il n'est pas la case. On a 3 petits poissons blancs, hein, 3 petits poissons blancs avec gros les ailes comme ça. Et elle la dame est gros. Vous avez remarqué, Devine? Elle peut venir plus gros que son camarade. Elle vient joli, un joli gros poisson. Mais c'est moi quand je vais manger, moi je comprends qu'il fait. Hein. Comment je vais manger dans cet aquarium là? Il bouscule tout. Il bouscule tous les autres. Il y a plusieurs poissons, il y a une dizaine de poissons là-dedans. Il bouscule tout et il mange. Ah, mon amour, t'es un gros malade. Hein. C'est un demi gros aussi comme ça. Si le chrétien, vraiment, il jette sa cornalité là, sa côté charnel là, il peut commencer à nourrir ce livre. Vous connaissez, il y a une affaire, avec l'expérience, hein. Il y a un portage qui m'entendent les autres portagés. Vous êtes capable de grabber, vous êtes capable de saisir moi. Les autres pas capables. Peut-être plus tard, vous êtes une profondeur. Si vous pouvez la Bible et vous trouvez Dieu clairement dans une profondeur, vous êtes capable de grabber moi. Mais ça même, qui ce que vous pouvez grabber veut dire que vous êtes capable d'attraper, vous êtes capable de saisir, vous ne pouvez pas trouver les autres qu'à faire. C'est une pauvreté spirituelle. C'est carrément une pauvreté spirituelle. Vous voyez? Il y a quelque chose qui est bien profond. Des fois, je trouve moi raconte bien des affaires ici. Qui, ailleurs, nulle part ailleurs. Autant de ça. Comment mon cas grab ça? Et pourquoi les autres ne peuvent pas grab Lily? Parce qu'il y avait les mots à tout le monde ça. Et moi, je comprends. C'est le côté charnel qui pianoté. C'est le côté charnel. Et Paul dit bien, côté charnel. Mon n'est plus capable de nous autres la nourriture solide. Vous continuez de notre biberon. Un enfant 20 ans pour un biberon? C'est bizarre, là. C'est bizarre, là. Les filles donnent milk. Et quand ils commencent une bonne viande rôtie, une bonne Kentucky. Non, mais c'est what? Non, c'est cornalité, c'est charnel. Mon frère, monsieur, si nous pas encore capables de réaliser qu'il nous faisait débarrasser nous, de sa côté charnel, là, comment Jésus-Christ. Mais payer ça dans la prière. Il commençait par là pour payer l'histoire de l'affaire là. Parce qu'il est nali, il est humain. Merci Jésus. Nous besoin des habits du vieil homme.
et habille-nous de l'homme nouveau. Merci Jésus. Bon, content quand Jean-Baptiste dit une phrase qui fit bien à ce mot raconté-là. Il est important qu'il y croite le Christ, et moi, je dis bien. Une formule, une équation raisonnable. Vous me dites, moi. Mais qui dit bien dans moi? C'est mon arrogance. C'est mon orgueil. C'est mon haute. Mon zaron d'un bureau qui ken. C'est un homme de Dieu. Mais tant que c'est l'arrogance, ça palpable. Tant que c'est sa haute opinion qu'il a de lui-même. Il donne pas la main au bout des doigts. Just to be polite. Mais il parle de ça shaken. Non, il n'est pas pareil que moi. Il n'est pas pareil. Il fait toi comprendre, il n'est pas pareil que moi, toi. Il fait toi comprendre. Tu comprends? Bonjour. Et moi, je vais venir grand manière, juste to shake as a man. Ah, mon fils, il dit ok, je suis bien ailleurs. Donc, il y a ça. Tu vois? Il arrive les temps en 2023, là, frère. 2023, là. Vous êtes des amis, nous, du vieil homme. Il y a pourtant qu'il croite et modifier. Et modifier moi-même. Il est très important de comprendre ça. Vous connaissez, il y a une histoire qui ont dit à cause d'un faux preacher, à cause d'une fausse prédication, fausse prédicateur qui existait. Non, 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 le péché, tu as continué avec, etc. Et tout correct, toi, pas de souci, la grâce. Dieu ne paye ton péché, whatever. Non, mais tu écoutes ce petit monde-là, mais c'est là qui te croit pour déçu après, moi ou toi? Moi, je ne vais pas écouter ce moi. Parce que c'est ça. Quand Jésus-Christ finit guérir sa aveugle, je crois, Jean 9, vous me dites ça de mémoire, hein, il y a une affaire, ne pêche plus. Et il a ajouté, il dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Mais nous citons verset qui dit comme ça, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il y a encore Pédien ne pêche plus. Il y a encore Pédien ne pêche plus. Non, je vous dis non. Ça en a en concubinage avec ça là. Ça en a en concubinage avec ça là. C'est ok. La vie continue, c'est ok. Il y a ok là. Et en plus, tout pour la Sainte-Seine. En plus, tout pour la Sainte-Seine. Vous connaissez, mon petit Emilio, il vient de la faire nous prier là. Vous faites plaisir comme ça, ben, Marie et Kevin dans le teu. Vous pouvez cause le monde, ça coule là. Vous pouvez cause le monde là. Comme un chrétien qui a une belle histoire. Parce que, vous voyez, qui est arrivé? Il m'a dit, moi, l'église. Non, t'as écouté. Et un acteur qui s'appelle Patrick Swayze. Pas tout le monde qui vous connaît, hein. Peut-être n'est pas de notre génération. Patrick Swayze, c'est un Américain. Il y a un dernier film qui rend lui viral, qui rend lui famous, c'est Ghost. Donc il y mort, et il en vit bousin de la table. Il vit dans la vie, bon, bousin de la table, pas capable. Patrick Swayze, c'est un garçon, hein. C'est un Américain. Et très, très danseur, extraordinaire danseur. Moi, je dis, on danse, comme cet acteur-là. Et vous avez un clip, vous avez sur l'amour. Il y a un cancer pancréas. Et comment il est venu ou quoi? Oh, Dieu. Pas même connaître. Tant que vous avez Patrick Swayze, hein? Et vous connaissez bien les deux mots génération. Bon, vous avez un clip et mort avec un cancer pancréas. Car c'est plein de mots, là. Fin de vie. Défiguré complètement. Là, vous ne racontez pas d'histoire, là. Vous ne racontez pas d'histoire. Mais bien, c'est histoire qui est vraie, hein, qui peut arriver. Céline Dion. Oh, Céline. Vous voyez qui Céline Dion qui au fait l'origine de la santé. Il y a une affaire qui appelle l'adrénochrome. L'adrénochrome. C'est quoi l'adrénochrome? Ça vient du mot l'adrénaline. Donc, tu connais Pascal? Il n'est pas là, non, Pascal? Il demande ça, tu connais, et quelqu'un qui mange les chiens. Je batte les chiens là,
L'esticana produit l'adrénaline. Et quand il produit l'adrénaline, je tue tout le monde. Cela, c'est un de goût là. Parce qu'il y a. Vous pouvez raconter General Knowledge. Hein? General Knowledge. Il y a beaucoup d'informations. Hein? Tu veux me passer la parole de Dieu aussi, General Knowledge. Alors, il y a une adrénaline ça, dans l'arcière, ça dit ça, il est bon pour manger. Mais il y a un médicament qui appelle l'adrénochrome. Vous connaissez comment ça? Pour un petit peu, 3 mois, trapli batté. Dans le laboratoire, la batte. Batté, ce petit là. Tu vois, là, il se les produit l'adrénaline. Et là, je tire ce 10 ans. Je vends ça 10 ans là. Il y a l'adrénaline là-dedans. Alors, au final, il y a un mensonge qui me passait, une publicité. Si tu bois ça, tu rajeunis. Tu rajeunis. L'adrénochrome. Et ça va cher. 10 mg, qui coûte un million de l'or. 10 mg de ce médicament-là, qui coûte un million de l'or. Et ces artistes, Céline Dion et compagnie, je prends ça pour une jeune. Je trouve ça bêtise là. Ils ont dit, comment Céline Dion, malheureusement, vous avez accepté le Christ. On ne sait pas. On ne sait pas. Tu vois? Qui fait vous raconter cette histoire-là là? L'homme pas attendre qu'il peut arriver demain. Ça, vous avez envie de raconter. L'homme pas connu. Un petit fille. Vous racontez une rôle de hein? Une petite fille, dans la fiesta avec son camarade, un garçon proposait un drink, un boire. Ne sachant pas ce qu'il y a dans sa boire là. Il est défiguré complètement, défiguré. Cela m'est crispé dans l'espace une heure de temps. Si on me raconte ça, en général, le déjà, c'est l'homme par connaît qui peut être un demain. Il n'y a rien qui pousse pour quitter le péché. Il n'y a rien qui pousse pour quitter le péché. Il n'y a rien qui pousse lui pour quitter le péché. Vous pouvez raconter ça, c'est pour simplement entre vous. Sauvez. Sortez du milieu d'eux, nous dit Paul. Sortez, vite. Tu ne pas compter demain. Vous ne pouvez pas arriver toi, hein. Vous ne pouvez pas arriver toi, ça. Vous ne pouvez pas faire de mal. Vous pouvez raconter ça, même 4 mois de trouver là. Vous dites, Seigneur, comment vous pouvez pousser un chrétien pour quitter le péché? Comment vous pouvez pousser un chrétien pour dire, tu connais, stop avec cette histoire de mes filles là. Il n'est pas bon pour toi, ça. Non, il trouve agréable, il y a donc. Non. Demain, tu connais qui arrive, toi? Et tu me crier, oh, bon, l'église! Oh, mon pasteur, Nicora! Ah, moi, t'as trop tard, garçon. Trop tard. Pourquoi il y a un temps pour nous quitter un peu le péché? Nous tout, là, hein, nous tout. Quitter un peu les histoires qui supposaient habiller nous la vie. Alors, il y a une manière pour déshabiller nous. Une manière pour déshabiller nous. De ces choses. C'est en priant. Alors nous pour prier. Nous pour prier simplement pour débarrasser nous, comme Jésus-Christ il fait. Il hein, prier pour débarrasser lui de sa côté humain. Là. C'est un prier. Et la Bible dit ça. Hein? Prier. L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. La chair est faible. Qui fait que le Christ dit ça? Si tu priais, tu pour débarrasser toi de bonnes affaires qui ne sont pas bien. Exister dans ta vie. Amen. Nous allons couper live, voilà. Merci Seigneur.